Στην ταινία, μετά τον χωρισμό, η Μίριαμ και ο Αντουάν μοιράζονται την κυδαιμονία του γιού τους, ο οποίος διαπιστώνει πως είναι παγιδευμένος ανάμεσα σε μια φοβισμένη, υπερπροστατευτική μητέρα και έναν εξέλεγκτα βίαιο πατέρα. Ο Αλέξανδρος Λιζάρδος εξασφάλισε αποκλειστικές δηλώσεις από τον σκηνοθέτη Ξαβιέ Λεγκράν στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Ben, je suis le réalisateur de Jusqu'à la garde, Custody, pour le titre international. Et c'est un film qui se veut et un film social, mais aussi un film d'horreur. Et c'est ça qui, je crois, est intéressant de voir dans ce film, c'est qu'on peut avoir un sujet très important, une problématique sociale très importante, tout en étant dans le genre. Et je peux vous promettre que vous allez avoir peur. Voilà. Je sais pas lequel des deux qui ment le plus, par exemple. En fait, c'est une construction du scénario qui est assez spécifique, puisqu'on suit un personnage, mais on ne le suit pas de son point de vue. On le suit du point de vue de ses ennemis. Et c'est pas en privant de son père que ça va arranger les choses. C'est lui ? Ben, j'ai choisi cette construction parce que je trouve que c'est plus intéressant et plus ça peut plus toucher les gens si, avec un sujet aussi difficile, on s'amuse avec un vrai film de genre. Qu'est-ce que tu veux ? T'es devenu aussi menteur que ta mère. On veut juste vivre en paix. Ça a trop duré, là. Est-ce que tout ce qu'elle fait depuis le début, elle n'a pas le droit de le faire? Je sais pas comment. J'espère qu'il le fera, parce que le cinéma peut aussi servir à ça, maintenant. Oui, je pense que ce qui, en tout cas, est intéressant, c'est que les gens vont se retrouver face à une réalité et vont forcément se sentir concernés, je pense. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Άρια Γάτσα και οι τελευταίες ειδήσεις της ημέρας στο δελτίο μας στην ΕΡΤ2 στις 11 με την Ελένη Χρονά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.